Coucou la classroom, c'est Rubika. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de pliage de cartes. Et ce cours numéro 8 va porter sur le pliage pop-up asymétrique. C'est-à-dire que nous avons déjà proposé dans le cours numéro 7 le pliage pop-up symétrique. Et là, c'est la suite logique de ces cours. Je voulais vous remercier toutes d'avoir suivi donc le dernier cours et de nous avoir retourné dans les temps. Vos créas, c'est vrai qu'on vous a laissé 15 jours, c'était un peu court, mais vous avez réussi parce que maintenant vous êtes sportive et vous connaissez les rouages de notre fonctionnement. Alors ce cours numéro 8 qui porte sur le pliage asymétrique, il est sous mes yeux. Vous allez commencer à avoir un classeur bien fourni en collectionnant ces cours. Je vous montre un petit peu l'intérieur et je vous invite vraiment à le lire intégralement parce que vous allez apprendre plein de choses, même si vous ne les pratiquez pas, vous allez découvrir des techniques. Et c'est vrai que c'est important. Donc voilà à quoi correspond le fichier PDF que vous pouvez réclamer. Et en annexe, vous allez pouvoir découvrir plein de documents qui vont vous permettre de réaliser d'autres cartes bonus par rapport à ce cours. Alors aujourd'hui, ce cours, moi je vais dire que je vous emmène dans ma maison. On va faire le grand ménage de printemps, de la cave au grenier, sans passer par le rez-de-chaussée. Vous allez sortir de votre zone de confort. Et on va démarrer tout de suite. Je vous montre exactement à quoi correspond un pliage pop-up asymétrique. Alors voilà la carte que j'ai réalisée sur cette base de pliage. Alors souvenez-vous, dans le cours 7, on avait fait des lamelles effet pop-up. Et là, on voit que les lamelles, en fait, n'existent plus. Nous allons découper carrément dans la base de la carte pour réaliser des choses en relief qui vont nous permettre de réaliser des cartes avec des paysages ou des motifs en relief. Mais également des panneaux comme ceci, un panneau central sur votre carte qui se rabat et peut donc s'envoyer par la poste sans problème. Alors je vais m'installer et puis on va démarrer donc ce pliage pour cette carte pop-up asymétrique sous forme de panneau. Alors pour cela, vous allez prendre une base. Alors la mienne mesure 20 cm et j'ai marqué au crayon, donc j'ai pris un crayon de couleur pour bien vous dissocier le centre de ma carte. C'est-à-dire ma base fait 20 cm, le trait a été fait à 10, donc c'est le milieu de ma carte. Bien sûr, les dimensions, ça vous les arrangerez comme vous voulez, puisque ça sera standard, il faudra juste avoir deux panneaux identiques en haut et en bas. Donc là, c'est le rez-de-chaussée de ma maison, et nous allons donc marquer un pli ici. Alors je vais le mesurer moi à 1,5 parce que je l'ai décidé comme ça, mais vous pourrez le mettre à la dimension que vous avez choisie. Et je trace le trait. Donc là, on va dire que j'ai fait un trait à la cave, puisque là, je suis au rez-de-chaussée. Maintenant, on va passer au grenier. Et pour cela, il faut que notre partie ici du haut du grenier soit de la même dimension que la partie que nous venons de tracer à la cave. Donc là, j'ai fait 1,5 cm. Par contre, sur mon panneau ici, sur le haut de ma carte, je vais vouloir mettre une image. En l'occurrence, je vais mettre un tampon aujourd'hui. Et mon tampon, je le mesure, il fait 7 cm de haut. Donc pour qu'il rentre dans ma partie ici de panneau, je vais mesurer 7 cm, mais je ne mesure pas à partir de mon pli central, je me remets à la cave. Alors je mets le 0 à la cave et je monte à 7 cm. Et ici, je vais marquer de nouveau mon trait. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il faut que cette partie de la cave, je la retrouve au grenier. Donc elle mesure 1,5 cm. Je vais aller ajouter 1,5 cm au grenier. Et je trace mon trait. Alors je mets bien. Donc à la cave, on a un pli ici en bas et au grenier aussi. C'est exactement la même chose. Et cette partie ici jusqu'en bas va nous servir de panneau. Alors je ne vais pas tout découper, bien sûr, je vais donc marquer ici, séparer. Donc là je le fais grossièrement, donc sans calculer. J'essaie d'être bien centré quand même. Donc je sépare ces deux parties-là et je vais travailler sur ce panneau ici central. Donc, je vais gommer, comme ça vous allez voir exactement ce que ça peut donner. Donc je gomme les parties qui ne me sont pas utiles. Donc c'est vrai que tous ces traits sont bien nécessaires au départ, mais après vous allez pouvoir les gommer. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc on va travailler sur ce panneau ici qui est mesuré. Et c'est là-dessus qu'on va démarrer. Vous voyez, notre pli central de carte reste
Il ne bouge pas. Il est fantôme, comme on dit. Donc là, on va se servir de notre cutter. Et le cutter va nous permettre de découper ces deux parties qui viennent d'être marquées avec mon crayon. Donc c'est la partie qui va basculer et qui va faire l'ouverture du pop-up. Je vous montre. Ensuite, nous allons passer au pliage. Donc je reprends mon petit outil et je vais aller marquer le trait du crayon de papier que j'ai laissé visible, donc celui-ci. Je vais marquer le deuxième. Et je descends à la cave pour marquer également celui-là. Alors vous avez vu que je n'ai pas marqué le pli central en rouge là. Je l'ai laissé parce qu'on n'y touche pas. On va juste pouvoir donc marquer avec cet outil ici le pli du centre pour nous aider dans le pliage. Mais on ne va surtout pas le marquer ici sur notre panneau. Et là maintenant on va procéder au pliage. Donc il y a juste ces parties coupées. Et là je vais donc avancer mon panneau et le retourner. Et je replie la partie du bas et je la remonte sur le deuxième pli. Et là quand vous allez plier votre base de carte, vous allez vous retrouver exactement au pli rouge. Alors, je prends mon outil pour bien marquer. Je vous montre. Notre trait rouge se retrouve ici. Donc, il est bien marqué au fond. Par contre, il n'est pas plié ici. Vous voyez? Et là, on va pouvoir le gommer pour nous servir du panneau central pour y coller notre image, notre tampon. Donc, je suis désolée, crayon, ça a un petit peu marqué, crayon rouge, mais je tenais vraiment à vous le mettre sur ce panneau pour vous montrer comment ça se présente. Donc là, le pli est fait, on ouvre et le panneau se détache parfaitement de la carte. Donc cette partie haute ici, en fait, est de la même dimension que la partie de la cave. C'est pour ça que ça nous permet de faire ce système de pliage qui s'adapte parfaitement donc à une carte avec ce format. Alors sur le panneau, je vais prendre un tampon pour vous montrer que ça va s'adapter parfaitement. Mon tampon faisait 7 cm. On va travailler par une petite babouchka. Voilà, je vais la positionner donc ici. Et voilà, le tampon est parfaitement adapté. Alors votre dessin, vous l'auriez mesuré, hein, bien sûr, votre format d'image. Et là, on se retrouve donc avec un petit tampon qui va pouvoir se glisser dans une carte et s'ouvrir sous forme d'un panneau effet pop-up. Et on voit que notre milieu de carte derrière se referme bien sur ces deux petites parties ici. Donc voilà la première carte façon panneau que je voulais vous présenter. Et puis, vous montrer une carte que m'a envoyée Kobe. Alors, c'est possible de faire la même chose donc avec des lettres. Alors je vous montre, c'est une carte effet pop-up avec des lamelles sur le haut et des lettres pour écrire des messages, des mots, des années, ce que vous déciderez également de faire. Alors pour faire cette découpe, c'est un petit peu plus complexe. Alors moi, je ne vais pas vous le présenter, je vous le montre juste. Je vous donne juste un petit conseil, comme le disait Kobe dans son document PDF. C'est quand vous prenez des lettres, essayez de prendre une base plate sur le haut de l'écriture que vous choisissez, en bas et en haut. C'est beaucoup plus simple pour faire les lamelles. Et puis les lettres, pareil, essayez de prendre des lettres assez simples parce qu'il va falloir avec le cutter découper tout autour de ces parties pour les faire ressortir en relief. Donc c'est assez minutieux. Ça s'appelle un peu de... Alors, je pense que c'est de la kirigami. Moi, je n'adhère pas trop à cette forme d'art. Maintenant, c'est vrai qu'avec ce qu'on fait là en pop-up, ça y ressemble. C'est beaucoup plus simple. Mais c'est une base en fait qui va vous permettre de découvrir cet art de la découpe et du pliage. Alors pour réaliser ces petites lamelles, on va partir sur une deuxième carte. Alors je vais vous expliquer comment les réaliser avec toujours une forme. Alors voilà la carte qui a été réalisée. C'est toujours mes tampons Frida de Love in the Moon. Et on découvre donc le tampon Frida. Alors vous pouvez prendre une image, mais moi j'ai choisi ce tampon.
et on voit que ce tampon ressort en relief avec cette petite lamelle sur le haut et est en décalage ici par rapport à la cave et au grenier, puisque le grenier maintenant ça va être notre petite lamelle. Alors pour faire ce décalage d'image, je vais vous expliquer. Donc on va repartir sur la même chose que nous venons de faire, c'est-à-dire qu'on a notre pli central ici qui est marqué en rouge. Je prends mon crin de papier et je dis que je veux faire mon pli à 1,5 cm. Donc je marque de chaque côté. Donc j'avais déjà démarré mes marquages. Je trace le trait. Et là, j'ai mon trait à la cave. Et là, on n'y touche plus. Vous voyez, c'est tout simple. On va prendre notre tampon ou notre image. Et on va aller tamponner. Donc on va bien positionner le tampon sur cette base ici, qui est à la cave. Alors je suis désolée, ça va peut-être un petit peu baver parce que je vais travailler tout de suite en direct, je ne vais pas attendre que ça sèche. Donc on va se servir de la base de notre tampon. Alors vous voyez, moi là, un petit peu dépassé par rapport au trait que j'ai réalisé. C'est pas grave, je vais réadapter, c'est-à-dire que je vais replacer un trait au-dessus et je vais mesurer exactement la partie entre le trait rouge et ce nouveau trait de la base de mon tampon. Ça fait 0,9 cm. Donc on n'est pas loin, 1,4 cm. On n'est pas loin des 1,5, mais il y a cette petite marge de manœuvre par rapport à ma tamponade. Alors, ce que je fais, c'est que je mesure au-dessus de mon personnage, je cherche la base la plus haute et je vais mesurer 1,4 pour faire une petite lamelle sur le haut de sa tête. Alors, je ne la fais pas trop fine non plus. Et je vais marquer ici et là. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc je gomme le trait du bas. J'en ai plus besoin. Et on a cette petite lamelle. Vous voyez, ça a débordé là sur mon papier, le tampon, c'est pas grave. Donc voilà ce qu'on obtient. On a notre milieu de carte, ce pli fantôme qui est là. Et ce pli a disparu puisqu'on va l'enlever. Et on va uniquement se servir de la base de notre tampon. Donc je le marque pour vous montrer. On va se servir de cette base. Et cette partie ici, entre cette base et le trait rouge de notre rez-de-chaussée et la tête ici et le haut de la lamelle, doit correspondre. Voilà, cette partie-là est identique à celle-là. Même mesure. Et à partir de là, on va se servir de notre cutter pour découper la petite babouchka. Donc on va faire le tour. Alors je vais le faire rapidement. Faire attention parce que le cutter et moi, on n'est pas toujours amis. Je vais essayer d'aller vite. Alors on découpe et on s'arrête ici, à cette base. On ne la découpe pas, cette base-là. On prend le cutter et on découpe également les deux côtés de notre lamelle. Et c'est tout, on arrête là. Ensuite, on prend notre petit outil pour marquer les plis. Donc, on va marquer le pli du haut de la lamelle, le pli sous la tête, enfin sur la tête, et on va descendre, marquer la base du tampon qui va être plié. Alors, on voit bien que la découpe a été faite. La petite lamelle est découpée aussi. Je vous montre. Et maintenant, on va procéder au pliage. Mais avant, je vais marquer le trait rouge, donc le milieu de ma carte. Et je vais juste m'arrêter au personnage ou au tampon pour aller jusqu'à l'extrémité. Ça va m'aider à plier la carte. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ça va se mettre automatiquement, mais c'est plus simple pour moi, à mon avis, pour le pliage. Ensuite, on va plier, on s'aide avec le doigt, on pousse un petit peu et on marque le pli en bas. Et ensuite, on va aller plier la petite lamelle, on va la remonter et on va tout fermer. Et quand on va fermer la carte, voilà ce que ça donne. Je vous montre ça de plus près. Donc par rapport à tout à l'heure, c'est le même tampon, c'est deux choses différentes en présentation, puisque là on est sur un panneau et là on est plutôt sur une image avancée en relief.
Donc plein de petites choses à faire avec ces deux petites techniques. J'espère que vous m'avez bien suivi parce que c'est pas toujours évident d'expliquer par la vidéo. Je voulais aussi vous montrer donc sous forme d'image, c'est-à-dire j'ai imprimé une image du net et puis j'ai donc mesuré mon centre de carte et on voit bien que la partie basse c'est ce qui va me permettre ici. Donc je vais la mesurer et cette partie en mesure, je vais la reporter en haut. Donc la même mesure pour faire ma languette, ce qui va nous donner ceci. Donc le bas, la petite languette en haut. Et quand je vais découper au cutter toutes les parties sur les côtés, je vais pouvoir après plier et avancer mon personnage avec la petite lamelle et obtenir ceci. Alors je vous remontre. J'en avais fait une autre, c'est pareil, elle était un petit peu moins avancée parce que la mesure que j'ai laissée à la cave était de 0,5 et les petites lamelles au-dessus, je les ai faites de 0,5. Là, vous voyez, j'ai fait deux petites lamelles parce que mon personnage avait une partie un petit peu plus basse ici et ça me permettait à moi de lui donner plus de force quand elle est pliée ici. La petite lamelle à elle-même, celle-là ne suffisait pas. Donc j'en ai fait une deuxième. Donc voilà quelques modèles. Je vous montre donc la Frida hein, qui a été réalisée d'après la carte que voilà. Donc ça on retrouve les marquages ici que j'ai utilisés. Bien sûr on gomme tout après et on refait. Alors ça marche avec des tampons. Vous faites attention parce qu'il faut que des tampons avec une base quand même correcte et puis facile à découper tout autour. Et puis juste pour vous montrer encore quelques petites choses. J'ai mixé donc le cours numéro 7 avec le cours numéro 8, c'est-à-dire qu'on fait du pliage lamelle ici. Et là, on retrouve le petit renard format pop-up asymétrique avec la petite lamelle du haut. Et on retrouve nos lamelles ici, donc du cours précédent. Donc voilà de quoi mixer des cartes avec ces bases de pliage. Vous retrouverez tout ça dans le cours hein, si vous n'avez pas trop suivi mes explications. Mais juste avant de terminer, de passer à l'atelier suivant, je voulais vous montrer qu'on pouvait mixer les deux et le panneau. Et le motif avec la lamelle comme ceci, c'est-à-dire que j'ai fait un panneau ici et je m'en suis servi après pour ajouter un tampon avec la lamelle, ce qui nous donne une autre façon de réaliser une carte, donc double effet, cet effet. Alors je m'installe pour l'atelier suivant et on se retrouve tout de suite. Alors on se retrouve pour la suite de l'atelier où là je vais vous présenter une carte qui s'appelle Pop-up Box Carte. Alors, ça va être très simple. Je voulais vous la présenter, la faire avec vous, parce que c'est vraiment un modèle super sympa. J'ai pris une base qui fait 30 cm. Dans le PDF, Kobi vous parle d'une base avec un format A4. Moi, j'ai pris une feuille de scrap, c'est pour ça que je peux me permettre de faire du 30 par oui, 30 cm. Et puis, je vais marquer donc 10 cm, puisqu'on va faire un triptyque. Donc, on va faire 10, 20, 30. Ça me paraissait plus simple de vous expliquer sous ces bases de calcul simples. Donc 10, 20, 30. Et on va aller tracer nos traits. C'est-à-dire qu'on va diviser cette base en trois parties identiques. On l'avait fait un petit peu dans le cours pliage Z. Donc là, on a trois formats identiques. Maintenant, pour faire l'effet pop-up, vous allez vous servir donc de ce trait ici. On laisse le premier panneau tranquille. On va servir de ce trait ici et on va lui donner une distance de 1 cm. Donc on va marquer sur l'avant 1 cm et on va tracer le trait. On obtient donc sur le panneau central 9 cm et 1 cm, ce qui nous fait bien les 10. Et on va faire la même chose sur le dernier panneau, c'est-à-dire qu'on va mesurer 1 cm à l'extrémité. Et on va aller tracer la ligne. On obtient ceci. Donc je vous montre bien. Donc je vais prendre mon outil pour marquer les plis. Donc je marque le pli sur le trait que je viens de réaliser. On marque tous les plis en fait, par rapport au trait. Nous
permettre de diviser donc notre carte en trois parties. Et là, on va procéder au pliage. On va plier déjà cette petite partie à l'extrémité. Et on continue à plier. On s'occupe de rien jusqu'à présent. On obtient ce modèle, donc vous voyez, qui va pouvoir donc se clipser à l'intérieur. Donc cette partie-là va permettre de faire l'épaisseur et cette partie ici va permettre de se coller à la partie ici du haut. Donc je vous montre, je vais mettre un petit peu de colle double face pour aller plus vite. Et pour fermer, de positionner et de faire descendre le panneau pour obtenir cet effet pop-up. Alors, je vais vous montrer cet effet pop-up de la carte où là, elle va pouvoir être fermée à plat et quand elle va s'ouvrir, vous allez avoir l'effet vitrine, moi j'appelle ça, puisque sur le devant ici, vous allez pouvoir faire une ouverture. Je vous montre un petit peu, voilà la carte que j'ai réalisée sur le devant de la carte, et quand on va l'ouvrir, vous allez obtenir cet effet vitrine avec une petite fleur que j'ai ajoutée au fond, du petit motif ici. Donc ça, c'est la première carte, et vous pourrez également la présenter de cette forme, c'est-à-dire sur la base, et l'ouvrir pour avoir la forme à l'intérieur. Alors cet effet va vous permettre également de réaliser des petits pop-up sous cette forme, mais de façon nomade. Alors je m'explique. Cet effet ici, que vous voyez, on va le réaliser avec une bande de papier pour obtenir ceci. Des petits pop-up nomades qui vont nous permettre de réaliser des motifs en relief sur notre carte. Alors pour ce faire, j'ai pris une bande. Alors vous mesurez comme vous souhaitez par rapport à l'image que vous allez vouloir mettre sur le devant. Il faut que cette partie ici et là soit identique, et pareil, les côtés doivent être de la même dimension. C'est-à-dire que ma bande va faire 9 cm. Je vais faire une partie lamelle à 1 cm. Ensuite, j'aurai une base 1 cm. Après 3. De nouveau 1. Et à la fin, il va me rester 3. Et là, je vais mesurer et ensuite tirer des traits. Alors là, je vais le faire directement avec mon outil de marquage pour aller vite. Voilà ce que vous obtenez. Donc ces deux parties ici et là sont identiques et celle-là aussi. Et ça, ici, cette extrémité va nous servir de languette pour coller notre pop-up nomade. Donc on va plier les marquages. Et on va pouvoir aller coller cette petite languette ici sur le dessous pour obtenir cet effet nomade. Alors, pourquoi nomade? Je vais vous montrer. Vous allez pouvoir faire avec ce petit pliage, on va prendre une carte et on va se servir de ce pop-up nomade. Alors on va le coller où on veut et on va se servir donc de modèles. Alors j'ai pris une image avec un bouquet. Alors je vais pouvoir le positionner ici, mettre mon image dessus, c'est-à-dire que l'image va se baisser quand la carte va se fermer et se remonter quand la carte va s'ouvrir. Alors je vais prendre par exemple ce petit pop-up que je vais coller ici. L'image, je vais pouvoir la mettre dessus ou pas, comme on veut. Je vais pouvoir prendre ces fleurs, par exemple, les mettre également dessus. Alors, on va faire ça, tiens, on va mettre les fleurs. On fait juste attention que quand le pop-up est à plat, quand on va coller notre motif, il ne sorte pas de la carte.
et il ne se bloque pas de l'autre côté, donc le mécanisme fonctionne bien. Il est invisible, quand on regarde la carte, le petit effet pop-up derrière est complètement invisible, on le voit juste quand on plie la carte sur le côté, et on voit bien que quand on ferme la carte et quand on l'ouvre, le motif apparaît en relief. Donc vous allez pouvoir faire ça avec donc des choses que vous allez vouloir mettre en valeur sur votre carte. Vous pourrez mettre par exemple le personnage derrière. On va le faire. Vous montrer. On va coller le petit personnage derrière le bouquet de fleurs. Comme ceci. Et quand on va fermer la carte, on peut l'envoyer parfaitement. Et quand on ouvre, on a bien cet effet ici de pop-up sur le devant. Je trouve que c'est très joli, moi, quand on présente une carte comme ça en relief. Et faire des petites scénettes, ça peut être très sympa. On peut également se servir d'un petit pop-up, alors beaucoup plus petit parce que le motif sera peut-être plus fin. On va le coller ici dans notre angle de carte. Alors on va le coller derrière là et on va également mettre un petit peu de colle ici. Comme ça, le pop-up va bouger en même temps que l'ouverture de notre carte. Et on va coller, par exemple, un motif carré. Alors, est-ce que je l'ai bien mis? Non, je ne l'ai pas bien mis. Je vais remettre un petit peu de colle dessus, ce sera plus simple. Ici. Ouais, c'est pas l'idéal, cette colle pour ça. Parce que ça tient pas bien. Voilà. Ici, on voit que le panneau, donc ici, au niveau de l'ouverture, se fait bien. Alors, bien sûr, moi, ça colle pas terrible avec cette colle. Il aurait fallu prendre vraiment de la colle liquide. Alors, peut-être que c'est ça aussi qui gêne. Voilà. Et là, on voit que notre pop-up bouge en même temps qu'on ouvre la carte. Donc, plein de jolies petites choses à faire avec cet effet pop-up nomade. Je vous montre rapidement les quelques cartes qui ont été réalisées. Et puis, je vais installer mon atelier pour la partie finale de ce cours. Voilà tout ce que vous allez pouvoir faire, réaliser avec ce nouveau cours de cartes. J'installe l'atelier pour la dernière partie et on se retrouve tout de suite. Alors, dans les annexes de notre PDF, vous allez découvrir des fichiers et notamment ces modèles qui ont été réalisés par Kobi. Vous allez pouvoir réaliser le perron d'une maison ou la chambre d'enfant. Alors vous aurez deux gabarits à chaque fois, c'est-à-dire que vous aurez un modèle avec uniquement la découpe, c'est-à-dire la partie escalier, et vous pourrez la décorer comme vous le souhaitez, mais vous aurez l'effet pop-up puisque vous aurez juste à suivre le tuto et également le gabarit offert par Kobi. Mais également vous aurez donc la clé en main, c'est-à-dire le perron qui est dessiné, vous aurez juste à colorier. Vous aurez à découper ici l'effet pop-up au niveau des escaliers pour ainsi créer votre carte. Alors je vous montre ce que ça peut donner. Voici le perron de la maison. Alors je mets bien ça dans ma carte. Je l'ai juste découpé et j'ai réalisé le petit escalier sur le devant, effet pop-up. Et la carte se referme. Alors je ne l'ai pas coloriée, mais ça sera tout facile à colorier. Ou j'aurais pu utiliser l'autre modèle et l'adapter. Nous avons également le modèle de la chambre d'enfant, cette même façon, c'est-à-dire le modèle à plier ou le modèle à colorier. Et voilà ce que ça peut donner une fois la carte réalisée. Voilà le petit lit, la petite table de chevet. Et vous aurez juste à décorer, vous pourrez rajouter des éléments si vous le souhaitez. Changer également les motifs, bien sûr. Et la carte se plie parfaitement dans une base de cartes comme ceci. Donc deux modèles différents. Et puis je voulais terminer par pareil, une partie qui est dans l'annexe que j'ai eu du mal à réaliser, c'est-à-dire qu'il a fallu que je fasse appel à Kobi à plusieurs reprises parce que le sofa Ikea, j'avais du mal à le monter, il manquait des boulons souvent et puis le parquet n'était pas droit. Donc elle m'a aidé un petit peu à réaliser donc ce fichier. Vous allez pouvoir le retrouver dans les annexes pour réaliser donc ce sofa Ikea. Je vous le montre. Voilà, ça c'est la présentation de la carte. Et quand on va l'ouvrir, on a le petit sofa. L'intérieur de la maison qui est tout bien aménagé, tout bien rangé, puisque c'était le grand ménage de printemps sur ce cours.
et on retrouve une partie pop-up panneau sur le devant et une partie qui avance en relief. Donc pour faire ce petit sofa, c'est pas bien compliqué puisque vous allez avoir le tuto papier. Je vais juste vous expliquer comment le monter. Ça peut être utile pour celles qui n'ont pas de clé fournie avec la notice. Alors voilà le format tel qu'il est réalisé une fois que le gabarit est dessiné. Mais pour le dessiner, soit vous le découpez et vous le reportez sur une carte. Mais je vais vous donner une petite astuce que m'a donnée elle-même fait Clochette, puisqu'on se repasse nos trucs et astuces sur le Rubika Scrap et le Rubika Mag. Et la petite astuce, c'est de se servir donc de notre annexe. On va plier l'annexe en deux. On va prendre une cartoline. On va la glisser à l'intérieur. Et on va décalquer notre motif pour pouvoir le découper et l'avoir directement sur notre cartoline pour pouvoir le plier. Alors comment je vais pouvoir décalquer tout ça? Eh bien simplement avec ce petit truc. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque on utilisait ça pour le secrétariat avec les machines à écrire. C'est du papier carbone. Et ce papier carbone va nous permettre de réaliser des gabarits et de les reproduire facilement sur notre base à découper. C'est-à-dire qu'on met le papier carbone sur la cartoline, on referme le sandwich et là il suffit de prendre notre règle et de suivre simplement les traits qui sont sur notre gabarit pour qu'ils apparaissent directement sur notre partie cartoline qui est sur l'arrière. Alors, je vais pas tout faire bien sûr parce que j'ai déjà fait à côté, c'est juste pour vous montrer comment ça se reproduit. Alors bien voilà, vous allez avoir vos traits qui vont apparaître et votre gabarit qui est ici. Vous allez le retrouver sur votre carte et vous n'aurez plus qu'à découper donc votre cartoline comme ceci. Ensuite, vous prenez votre cutter pour couper. Voilà, pour couper à la règle, c'est parti. Alors ici, la grande partie là, celle-là et la petite. Alors je vous montre, celle-là, celle-là et la petite. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous allez découper. C'est parti. Et les autres, ce sera uniquement du pliage avec notre petit outil. Donc on va suivre avec la règle les traits. Et on va les plier chaque. Enfin, on va les marquer avec l'outil chaque trait. Alors bien sûr, le papier carbone, vous allez avoir. Vous allez voir apparaître les traits. Vous n'allez pas pouvoir les gommer. Alors ce que je vous conseille, c'est de retourner votre cartoline et là vous n'aurez pas, quand vous allez faire le pliage, ce marquage. Donc pour ce faire, on va se retourner. Alors je vais quand même le faire devant vous pour que vous voyez le pliage. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on démarre par une partie haute. Alors on plie, on regarde, l'autre est en dessous, on a plié la partie ici haute, on va retourner et on va faire la même chose en bas. Donc je vais me remettre dans le bon sens. On va se faire comme ça. Et je regarde où je suis. Donc là, la partie en haut et en bas est déjà pliée. Ensuite, on va faire cette partie ici, en bas du sofa. Donc je me retourne. Et là, je recommence. Je plie. Je regarde où est mon trait. Et je replie. Alors, on essaye de bien marquer les plis parce que ce sera plus simple par la suite. Il nous reste, alors voilà ce qu'on obtient déjà. Il nous reste ces parties au centre à plier. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va se servir soit d'un crayon de papier. On va le glisser entre les accoudoirs et le pli central. Et on va aller chercher par l'arrière le pli. Je vous montre en même temps. Pas trop facile, mais je vous montre. On va essayer de plier ici au milieu. On fait attention aux accoudoirs. On va plier également sur le devant l'accoudoir. Et là, une fois que les plis sont faits, on va pouvoir fermer donc notre carte. On pousse bien tout à l'intérieur si jamais. On essaie que nos plis soient bien placés. Et une fois que tout est fait, alors je me remets. Vous voyez bien, on va pouvoir marquer les plis de notre carte.
pour obtenir, voilà, le sofa qui est attendu. Voilà le modèle. Voilà ce que l'on obtient. Alors là, vous avez un petit panneau derrière pour décorer. Vous voyez, sur le, ça fait comme un petit mur en fait, en relief. C'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué à faire que le sofa tout seul, parce qu'il y avait du pop-up à l'intérieur du pop-up. Et là, on voit que cette partie-là va pouvoir donc s'insérer dans une carte. Vous pourrez également donc télécharger, si vous le souhaitez, des petits motifs. Alors moi, je vais sur Internet, je télécharge ceci. Vous tapez dans Google Clip Art, collection intérieure, ou sinon, vous pouvez aussi trouver ça dans Design Clip Art. Voilà, vous imprimez une page comme ceci, et puis ensuite, vous allez découper les petits motifs pour décorer votre sofa intérieur de maison, comme là, par exemple, un tapis. On va pouvoir mettre des cadres, sinon, vous allez pouvoir, bien sûr, dessiner vous-même. Votre intérieur, le décorer. Donc là, ça tient pas, bien sûr, parce que j'ai pas mis de colle. Mais voilà ce que vous allez pouvoir réaliser avec ces petits clipards. Il y aura des petits coussins sur le petit sofa. Voilà, de la déco à l'intérieur. Il y aura des fleurs. Alors, d'autres fleurs pour vous montrer. Voilà ce que vous allez pouvoir réaliser avec ce sofa IKEA qui est dans les annexes du fichier PDF à demander par mail. Alors voilà, nous avons fini avec ce cours. J'espère qu'il vous a plu. C'est un petit peu long, mais c'est vrai que je voulais vraiment bien vous expliquer, surtout pour celles qui débutent, comment réaliser et tenter l'aventure de ces pliages. C'est vrai que moi, j'avais un peu peur au départ que ce soit compliqué. En plus, moi, les outils cutters et puis tout ce qui est kirigami, c'est pas trop mon truc. Mais franchement, j'ai adoré ce cours. Il y a tellement de possibilités. On peut tout mixer ensemble avec le cours numéro 7. Donc je vous invite à tenter l'aventure, à tester ces modèles. Faites des essais bien sûr avant de vous lancer sur du beau papier. Et puis ce que je veux vous dire, c'est que si vous nous demandez donc ce fichier, il est par là, du cours, donc ce nouveau cours numéro 8, si vous le demandez, il n'y aura pas de problème pour vous l'envoyer. Par contre, vous n'oubliez pas de nous envoyer vos créas par mail avant le 15 juin, délai impératif. Et puis vous nous écrivez donc à notre adresse rubikamag@orange.fr pour obtenir le PDF du cours et participer à cette aventure collective qu'est la Rubik Academy. Je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à bientôt pour la suite du cours pliage de cartes pop-up, la troisième et dernière partie qui terminera également notre première saison du pliage de cartes de la Rubik Academy. A très bientôt, ciao ciao.